This year's winter in France has so far been the mildest in more than a century. This has had a direct impact on the ski resorts. The lack of snow has forced the resort to close down its ski runs mid-season. The local restaurant owners and hoteliers are expecting fewer visitors. The daytime temperature on Monday was above 10 degrees Celsius. Several hikers removed their jackets and tied them around their waists as they picked their way across pastures with patches of snow. On a pris la décision de fermer car effectivement on n'avait pas la garantie sécuritaire en tout cas maximum de faire évoluer l'ensemble de nos clients. Là on se dirigeait vers une fréquentation accrue quand même de ces pistes de ski. Voilà, donc la décision, on n'a pas mis longtemps à la prendre. Bah, c'est un vélo comme un VTT qui va marcher sur les pistes. Et si jamais on n'a plus de neige, on enlève les patins. Et on rajoute une roue à l'arrière, une roue à l'avant, on connecte des freins et on a une trottinette qui marche hors ski. Donc cet appareil-là peut servir toute l'année. It's more than just a bad year. Scientists have predicted a long-term rise in global temperatures. People who earn a livelihood from winter sports are having to contemplate a future with much less snow. According to a forecaster with National Weather Service, Meteo France, the last time France experienced a December and January as mild as this was in the year 1900. Donc selon les émissions de gaz à effet de serre qui vont avoir lieu, là il y aura un gros impact sur ces stations de moyenne montagne. Si on arrive à limiter le réchauffement à 2 degrés, là on pourrait avoir quelque chose qui reste du même ordre de grandeur de ce qu'on voit en ce moment sur cette première moitié du XXIe siècle. Mais si on arrive à des scénarios avec un réchauffement qui arriverait jusqu'à 5 à 6 degrés à la fin du siècle, là les stations de moyenne montagne sont vraiment ont un avenir très peu sûr. The weather has always fluctuated year to year, but experts say a clear pattern of mild winters and less snow is emerging. If the trend continues, ski resorts around 1600 meters above sea level will be warm. Some resorts had a decent snow cover this week and were open to business, but many witnessed no snow in the second year in a row.